Je voudrais mes frères et sœurs que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte où t'as marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint, je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit, même si tu m'as trahi comme Samson, ma fidélité durera toujours. Et dans Samuel, il dit, remets l'arche de la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans Roi, il dit, moi l'Éternel, je suis ton roi et l'unique. Dans Chronique, il dit, comme David, moi aussi je t'appellerai mon bien-aimé. Dans Esdras, il dit, je suis celui qui peut reconstruire tout en toi, comme je reconstruis le temple. Et dans Néhémie, il dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit, je te choisis parmi les multitudes, je te choisis. Et dans Job, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans le cantique des cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Esaïe, il est l'admirable, le conseiller de prince de paix. Et dans Jérémie, même si tu vas en captivité, moi je te ramènerai. Et dans Ézéchiel, il dit, souviens-toi des ossements qui reprirent vie. Ainsi je peux te donner la vie, même si tu en as perdu. Dans Daniel, il dit, je suis la pierre qui tombe de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Dans Osée, il dit, même si je suis en colère, quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. Dans Joël, il dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Dans Amos, il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Dans Abdias, il dit, je ferai de ta maison un feu, une flamme dans celle de ta bien-aimée, mais celle de ton ennemi deviendra seulement de la chope. Dans Jonas, il dit, même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Dans Michée, il dit, ta montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Dans Naoum, il dit, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit, que le juste vivra par la foi. Dans Sophonie, il dit, je suis ton Dieu, j'ai fait ma fête et j'ai chassé les nations, mais toi tu es un invité. Dans Agé, il dit, ne craignez pas, mon esprit est au milieu de vous. Et dans Zacharie, il dit, même vers le soir, ma lumière paraîtra. Et dans Malachie, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Dans Matthieu, il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Dans Marc, il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Luc, il dit, je suis le fils de l'homme. Dans Jean, il dit, je suis le pain de vie. Dans Acte, il dit, ce ne sont pas les apôtres qui agirent, mais c'est moi qui agissais au travers d'eux. Dans Romain, il dit, il n'y a point de juifs ni gentils quand tous sont en moi. Dans Corinthien, il dit, tu es mon temple, je dois habiter en toi. Dans Galates, il dit, ne sois pas charnel. Dans les Éphésiens, il dit, soyez humble et je t'habite, j'habiterai en toi. Dans Colossiens, il dit, je suis la tête et toi tu es le corps. Dans Philippiens, il dit, soyez humble. Dans Thessaloniciens, il dit, je viens pour t'enlever et t'emmener dans la gloire. Dans Timothée, il dit, aie une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite, il dit, sois l'exemple de Dieu et je te bénirai. Dans Philémon, il dit, sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreu, il dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Dans Jacques, il dit, même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre, il dit, le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois, je te châtie. Dans Jean, il dit, aimez-vous les uns les autres. Dans Jude, il dit, je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens.